Joe Biden est arrivé mercredi à Dublin, en République d'Irlande, pour un voyage aux allures de pèlerinage familial. Accompagné de sa sœur et de son fils Hunter, le président américain de 80 ans s'est rendu sur la terre de ses ancêtres dans le comté de Laos. Il y a visité le château de Carlingford, qui fut, selon la Maison-Blanche, le dernier monument contemplé au milieu du 19e siècle par l'un de ses aïeux au moment de son émigration en bateau vers l'Amérique. Aujourd'hui, un Américain sur 10 revendique des racines irlandaises, un détail qui illustre l'intérêt politique de ce déplacement pour Joe Biden en vue de l'élection présidentielle de 2024. Auparavant, le président démocrate s'était rendu en Irlande du Nord voisine pour célébrer les 25 ans des accords de paix du Vendredi Saint. Joe Biden a rencontré le Premier ministre britannique Rishi Sunak et les représentants des différents partis politiques en proie aux divisions depuis le Brexit. Thank you so much. We're moving. We're moving.